Salut tout le monde, c'est Zedarka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur Call of Duty Black Ops 2 pour aller sous une voiture sur la carte Aftermath. Donc pour commencer ce glitch qui est vraiment super simple à réaliser, vous devrez être dans un mode de jeu qui vous permet d'avoir le tir allié désactivé, donc comme de la R&D ou de la MME ou de la domination, peu importe, tant que ce n'est pas du hardcore. Et par la suite, eh ben, vous devrez vous retrouver au même endroit que moi dans la vidéo. Et votre ami, lui, devra vous lancer une grenade à peu près sur vous pour que la voiture explose. Et vous, vous devrez vous allonger sur la droite de la voiture. Et dès que la voiture explosera, eh ben, vous devrez vous décaler pour aller sous la voiture. Y arriver une fois dessous, vous allez pouvoir un peu bouger. Et là, eh ben, vous serez pratiquement invisible par rapport aux ennemis, et c'est assez drôle pour les troller. Mais après, vous inquiétez pas, ce n'est pas un glitch qui va pourrir le multijoueur, parce que déjà il est vraiment très vieux, et de plus quand vous êtes dessous, vous avez des risques de mourir. Donc malgré que vous allez pouvoir tuer difficilement des ennemis parce que vous allez pouvoir leur tirer dans les pieds, et vous aurez aussi beaucoup de risques de mourir parce que vous serez pas invincible. Donc si vous voyez quelqu'un qui se trouve sous cette voiture en étant en mode multijoueur, et vous aurez juste à lancer une grenade et il va exploser. C'est tout simple, hein, le glitch il est bien pour troller et assez cool à montrer à vos amis. Mais vous inquiétez pas, ce n'est pas un glitch qui va pourrir le multijoueur parce que vous êtes vraiment pas du tout invincible. Et au passage, ce sera, je pense, le seul glitch à faire en partie publique que je vous présenterai, parce que tous les autres ne sont pas réalisables en partie publique. Et donc encore une fois, vous inquiétez pas, ça ne va vraiment pas pourrir le multijoueur. Et donc voilà, en tout cas, si cette vidéo vous aura plu ou si elle vous aura aidé, n'oubliez vraiment pas de mettre un petit pouce bleu, ça me fera vraiment super plaisir de votre part. Et n'oubliez pas aussi, comme d'habitude, de venir me suivre sur Twitter, sur Twitch ainsi que sur Facebook. Les liens se retrouveront dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Call of Duty ou sur GTA qui arriveront très prochainement sur ma chaîne YouTube. Et ciao tout le monde, bye.